voit une blessure de peuplier qui est au-dessus, qui a été plantée en février, qui a bien prise pour l'absence d'irrigation qu'il y a eu, et ça, on a une jolie première pousse de l'année. Et en dessous, on voit un joli noyer qui pointe le bout de son nez, qui n'a pas été planté, ni semé. Hein. Donc c'est sûrement peut-être un écureuil, c'est pas mal d'écureuils, ou une souris qui nous l'a planté sous un peuplier. Quoi. C'est magnifique, comme on voit ce que peut faire la nature quand on la laisse faire, en tout cas tous les êtres qui sont interconnectés, qui savent beaucoup mieux que nous planter les arbres tout simplement. Parce que là, le noyer va croître sous la protection du peuplier. Il va recevoir pas mal de pluie aussi, qui va, quand le peuplier sera bien plus haut, va taper sur le peuplier puis ruisseler à son pied, le protéger un peu de trop grosse chaleur et de luminosité, tout simplement. Et donc voilà, donc ces deux arbres de strates émergentes, donc qui aiment bien être vraiment très au-dessus, qui en tout cas à leur stade adulte, qui n'aiment pas avoir trop de compétition pour la lumière. Et du coup, c'est parfait parce que le peuplier va rester là, allez, 10-15 ans. Et quand il aura pris un peu trop de place, il commencera un petit peu à gêner le noyer. Et ben, on l'enlèvera du système, tout simplement, le peuplier. On redistribuera toute la matière organique au sol, ce qui fera un bel apport de matière organique. Et le noyer pourra prendre sa place et prendre la strate émergente dans un autre stade de la succession. Donc voilà, merci les souris.